Bonjour, bonjour, excusez-moi. Ceci n'est pas un clash, hein, pas parce que j'ai dit que je ne sors plus clasher sur les réseaux sociaux, qu'on peut venir vous mentir sur mon nom, à mon nom, alors que je suis là. Hein? Donc, j'ai demandé la permission pour que je réponde à Jean-Louis Messant. Par rapport à son direct, je crois qu'il a fait avant-hier ou je ne sais pas quand. Oui, parler d'une citation directe que je devais lui verser. Combien là? Il a lu, ou c'est 3 millions, ou c'est quoi? Jean-Louis Messant, j'allume ce direct pour te donner les conseils. Parce que je vois que malgré ton gros col, ta tête est vide. Malgré que tu t'autoproclames Bassa. Parce que les Bassa, nous savons que. Ils aiment les problèmes, ils ont les timbres. Mais je crois que tu ne connais pas bien la signification d'aimer les problèmes et à marcher avec les timbres. Tu es peut-être Bassa, mais tu ne maîtrises rien. La preuve en est que tu n'as jamais gagné une procédure. Depuis que tu cites les gens en direct sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais gagné une procédure. Parce que pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que tu es clasheur. Quand on tape ton nom même sur Google, on tape ton nom sur Facebook, pardon, pas sur Google, sur YouTube. On trouve un clasheur, un instructeur de talent. Ton nom n'est pas propre sur les réseaux sociaux. Tu es la personne la plus sale des réseaux sociaux parce que tu passes le temps à insulter les femmes aux fesses. Tu passes le temps à insulter. C'est-à-dire, quand on tape ton nom, ça ne vaut pas la peine. Quand on tape Jean-Louis Messant, c'est ça que moi je masque pas ton nom. Ou c'est Jean-Louis Messant. Quand on tape ton nom, je vais te parler de la justice camerounaise, même en Europe, comment elle fonctionne. Je vous ai toujours dit que je suis entouré des hommes de loi. Regarde cette carte. C'est le procureur de Kounou, là où tu es parti. Voilà sa carte de visite. Le procureur général. C'est ça ici. Je parle du procureur général de Kounou. C'est mon frère. Ça ne veut pas dire que je vais aller chercher les problèmes parce que je compte sur mon frère. Non. Je veux qu'une personne se lève. Une personne neutre que je suis venu répondre, que je suis venu insulter sur Facebook. Comme là, peut-être aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vais me lever pour insulter qui vraiment? Ma fille Muriel Blanche. Prenons l'exemple. Je viens sur Facebook pour insulter Muriel Blanche. Si elle m'amène à Ekounou, là maintenant même, c'est moi qui vais l'appeler pour demander pardon. Parce que mon frère va me dire, Matt, cette femme t'a fait quoi? Pour que tu l'insultes. Pour que je reçoive ce dossier que j'ai entre mes mains. Est-ce que tu peux prouver qu'elle t'a déjà insulté sur les réseaux sociaux? J'ai dit non. Il dit, sache que tu vas assumer tes actes parce que je vais appliquer la loi. Je vais faire appliquer la loi comme il se doit. Tu vas payer. Ou tu lui demandes pardon. C'est comme ça que ça se passe. Jean-Louis Messant. J'ai dit que une personne, un clasheur n'a pas le droit de porter plainte. Parce que ça annule. Ceux qui ont le temps de se lever pour aller répondre à vos plaintes, à ta plainte là, ils ont le temps. Moi, je n'ai pas ce temps d'aller répondre à une plainte ou une citation directe. Je ne savais pas que je vais citer en direct. Hein. Je n'étais pas au courant. Apparemment, il y a eu une décision de justice que moi, j'ai porté plainte aux gens en Suisse. Hein. Quand il y a une décision de justice, on envoie la copie à tout le monde. Je ne savais même pas que tu as fait des citations directes. Je prends ça sur Facebook puisque je n'ai rien reçu chez moi. Tu vas te faire voir avec mon nom. Tu as monétisé tes pages.
tu as monétisé? Comment tu manques comme ça? Je t'ai dit qu'un père qui manque, c'est un sorcier. Tu es un grand-père qui manque. Comment tu peux allumer les caméras? On sent, quand j'écoute même les voix de compression, je me dis, merde, dans quoi j'ai mis ma tête? Tu es un psychopathe. Tu es un pervers narcissique. Tu es la dernière personne qui peut se lever pour porter plainte aux gens sur Facebook. Je suis désolé. Tu es la dernière personne. Ça ne devait pas traverser ton esprit. J'ai dit, quand on tape sur Google, on tape YouTube, Jean-Louis Messang, c'est les insultes, c'est les vidéos de clash pour un papa, pour un grand-père comme toi. C'est honteux. Je n'aimerais pas être parenté à toi, encore plus être ton épouse. C'est sale. Un homme, c'est sa dignité. Un homme, c'est celui qui parle peu. Un homme, c'est celui qui agit. Toi, tu passes ta insulter sur Facebook. Et tu te lèves parce que tu connais un petit, je ne sais pas qui tu connais. Ça ne se passe pas comme ça. Jusqu'au tribunal militaire à Yaoundé, je suis assise là-bas. Mais ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que je vais chercher les problèmes aux gens. Même jusqu'au tribunal criminel. Je suis assise là-bas. Assise, comme on dit, assise. J'ai dit jusqu'au tribunal militaire. Je suis assise là-bas. Au CERD, je suis assise là-bas. À Ekounalo, demande, Guylaine Chapuis te connaît. Elle sait. Et vous tout le savez. Et vous m'avez porté plainte ici, un Mvoutou qui a insulté mon père partout sur Facebook. Quand je suis arrivé, on a annulé la plainte. On a dit à un Mvoutou de retirer sa plainte. Sinon, ça va se retourner contre elle. Elle va me payer très cher. La plainte d'un Mvoutou sont les grands plaintes que je me suis déplacé parce qu'elle a fait les choses normalement. Elle a envoyé un huissier. Elle a envoyé un huissier. Quand tu envoies. Une convocation, une citation directe à quelqu'un. Rassure-toi. Je vais t'apprendre. J'ai dit que je vais t'apprendre aujourd'hui. Rassure-toi que la personne que tu cites signe. Lit, elle lit tout ce qui lui est reproché et elle signe. Quand elle signe trois fois. Donc maintenant, l'huissier qu'on a envoyé enlève une copie qu'elle laisse à la personne. Avec sa signature, je dis que la personne signe trois fois. C'est ce qu'elle vous avait fait. Il y a une autre là aussi qui avait fait la même chose. Je me suis déplacé. Aucune plainte n'est allée nulle part. Parce que j'ai apporté mes arguments. Ça s'est arrêté là. Toutes celles qui m'ont porté plainte au Cameroun, ça dit que dès que moi, madame, je parle avec mon charisme, je réunis toutes les preuves, j'amène. Même ton avocat commence à avoir honte. Père Ibassan, au lieu de dépenser ton argent chez les avocats, je ne sais pas qui tu as pris, je ne sais pas qui, on te bouffe l'argent au Cameroun. Prends cet argent, tu achètes un terrain, tu construis. Parce que tu n'auras pas un franc d'aucune citation directe. Parce que tu es clasheur. Tu es clasheur. Tu crois que la personne que tu cites en direct ne va pas apporter des preuves? Moi, personnellement, j'ai dit que je ne me déplace jamais quand un clasheur Facebook me porte plainte. C'est une perte de temps. Mon temps est de l'argent. Mon temps, c'est de l'argent. Je ne veux pas te rappeler ici que tu m'as insulté pendant des heures et des heures. Tu es même pas allé contacter mon ex Lambert, qui est mort aujourd'hui. 4 heures de direct. Tu as envoyé le voice qu'on m'a envoyé à Maléba Perpétue pour qu'elle me clash, me traitant de voleuse de bébé. Que j'ai tué Lambert, tu citais bien mon nom. J'ai les captures d'avant. Où tu m'insultais sur ton mur. Peut-être toi tu as oublié. Tu effaces. J'ai un téléphone, il y a. Le téléphone ici. À toutes les plaintes de Facebook. Le téléphone, c'est. Toutes les captures sont là. Tout.
Peut-être toi, tu crois que je n'ai rien pour sur toi. J'ai tout ici. Mais je trouve que tu es insignifiant pour que je t'accorde mais une minute pour aller. La première citation directe que tu m'avais envoyée, je crois que Lambert, c'est là où tu avais utilisé Lambert. Pour venir, j'ai déchiré ça devant la. J'ai déchiré. Le soir, je prenais l'avion en direct pour Paris, pour Genève. Un clasheur ne doit pas porter plainte. C'est interdit. Si tu sais que tu as allumé ta caméra sur Facebook pour insulter quelqu'un, oublie la justice. Oublie la justice. La personne qui va te mentir là-haut, parce que tu n'as pas passé le nom, machin, les petits avocats du Cameroun là, c'est pour te bouffer de l'argent. J'ai fait ça moi-même comme ça, à Eborova. Je suis allé à Eborova. Quand Chatri Afan et Edouard Angoula ont fait ce qu'ils sont allés faire à mon père, j'ai saisi le procureur général. Moi, je ne suis pas. J'ai saisi le procureur général de la République. C'est lui qui m'a vendu le terrain ici. Hein. Le procureur général du Sud, M. Atana. Je t'ai dit que je suis entouré de la justice. Atana, Marc, tape sur Google. C'est le procureur général de la Cour d'appel du Sud. Dans tout le Sud. C'est lui qui commande la justice au Sud. C'est lui qui m'a vendu. C'est lui qui a vendu le terrain où je suis là. Pour faire à Afan, pour le mettre à Afan en prison. Le procès là était. C'était à deux, je ne suis pas parti. Et pourtant, j'ai un avocat, j'ai même d'appeler mon avocat de laisser tout ça. Cet avocat m'a coûté plus de 5. Sous les coups de l'émotion, je suis descendu à Eborova, j'ai déposé plainte. Parce que j'étais tellement énervé qu'on humilie mon père. J'ai pris les huissiers, sont venus faire le constat avec toutes les photos qui ont été prises sur Facebook, les vidéos qu'Angoula a prises, où on voyait Chatri sur les vidéos et tout. J'ai pris, tout ça m'a coûté. De l'argent. Et pourtant, mon père m'avait dit de laisser. J'étais en colère. C'était pour le coup de la colère. Mon avocat m'a contacté la semaine passée pour aller décharger parce que le procès devait passer. J'ai piaffé. J'ai dit que je ne pars pas. Peut-être lui, il est parti. J'ai dit que je ne pars pas. Parce que c'est une perte d'énergie. C'est une perte de temps. Pour rien. Si j'envoie cet enfant en prison, ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? J'ai voulu, comme vous croyez que j'ai publié tout sur Facebook là, c'est mon petit frère que j'avais envoyé décharger le truc de mon avocat à son étude le jour que le procès devait passer. Je ne suis pas parti. Je suis resté couché chez moi dans la clim à Oudja. C'est beaucoup plus bénéfique pour moi que de démarrer ma voiture pour un procès à Eborova. Est-ce que ça a changé quoi sur mon père? Rien. Je ne peux plus faire annuler ce procès, peut-être parce que ça dépend. C'est maintenant du ministère public. On va voir que c'est un danger, comme il y a beaucoup de casiers judiciaires et tout. Mais ça ne doit plus venir de moi. Et comme ils vont voir que le dossier est venu d'en haut, chez le procureur général même. Peut-être qu'on va l'envoyer à la prison là-bas, je ne sais pas, parce que c'est lui-même qui a introduit le dossier. C'est lui que j'étais allé voir. J'étais dit que le procureur général des coups, voilà sa carte de visite. C'est ça. C'est ça ici. C'est ça. Centre administratif. Ça ne veut pas me donner le droit de chercher des problèmes aux gens. Parce que mon frère, c'est mon frère qui commande le centre administratif. Non. Mais toi, me sens. Tu vas me porter plainte. Même aller le voir que voilà. C'est-à-dire que dès qu'il voit mon nom, toutes les enquêtes maintenant, c'est pas sur Facebook. Sur YouTube, on tape ton nom, Jean-Louis Messan. On va trouver que. On tape Jean-Louis Messan et Matt Chopin, on va trouver comment tu m'insultes. Tu m'insultes aux fesses. Depuis quand on amène une affaire, depuis quand une affaire soi-disant, disons, je t'accorde même, disons que même que tu m'as cité en direct, donc le premier procès, on m'a déjà condamné.
Il y a la lune, mon en direct. Alors, au téléphone, on va se allô? Bonjour. Donc tu connais encore mes numéros. Hein? Tu sais que moi j'aime les problèmes. Tu le sais, non? Ça veut dire comment je te dis là? Écoute. Oui. Tu m'appelles. Je t'écoute. Parle. Oui, parce que tu m'appelles, quand je te dis appelle, tu m'appelles. Est-ce que tu m'as appelé pour me dire que mon ancien sucre, c'est ça. Bref, un autre m'a expliqué, vois avec lui. Oui. Que tu vas aller à Kona avec lui. Voilà. Fais-moi l'orange, mon ami. Vous allez rentrer quand? Fais-moi le range, mon ami. Je vais acheter quelque chose à l'enfant. Tu mets le carburant. Tu veux m'acheter ça? Ça a dit un problème. Quoi, il m'a dit un problème. Je dis, quel problème? Oui. Je suis encore fâché. Pourquoi je ne dois pas être fâché? Oui, j'ai dit que ne mets pas mon nom dans tes chansons, mais quand tu chantes, tu me fais une chanson pour les femmes. Tu dois me demander. Oui? Tu rends hommage aux femmes. Tu rends hommage aux femmes. Je suis un homme. Oui, je n'en disconviens pas. J'ai dit ne mets pas mon nom dans tes chansons. Maintenant, ça dépend. Tu rends hommage aux femmes. Tu vas m'appeler pour me demander est-ce que je peux introduire ton nom. Je sais que quand tu mets mon nom dans tes chansons, ça ne va pas te faire vendre. J'ai beaucoup d'ennemis femmes qui te convoitent. Ça, c'était par rapport à ça. J'ai beaucoup d'ennemis femmes. Et pour ta carrière, je ne veux pas que tu mettes mon nom dans tes chansons. Mais cette chanson de comment on appelle ça? Le 8 mars, il fallait me demander est-ce que je mets. Même là, en ce moment, je suis en train de produire quelqu'un qui sort une chanson de 8 mars. Je lui ai dit de ne pas mettre mon nom. Mais parce que je ne veux plus qu'on associe mon nom à lui. Mais je l'aide dans le noir. Ça va? Non. Ça, je n'allais jamais te dire ça. Le 8 mars, c'est la fête de la femme. Tu sais que moi, j'ai fait, même toutes les années passées, c'est toi qui m'as acheté le pain. Voilà. Mais tu as déjà sorti le son. On va encore faire quoi? Non. Tu sais pourquoi? Tu sais. Je ne veux pas citer le comptable. Je ne veux pas. Je l'ai aidé. J'ai payé. J'ai payé le tournage du clip. Ah. Ok. Tu veux encore chercher les problèmes. Tu sais les noms des. Les gens que tu as sur le nom doivent te payer le machin. C'est tout. Ouais. Afouda, t'as ma joie. Je vois.
Mais oui, la publicité, même, tu sais, même présent, la publicité qui te font la visibilité, c'est bien. Pour eux, là, c'est bien. Tu as bien. Il faut citer les noms des personnes qui sont visibles. Voilà. Ça te propulse. C'est ça. Tu vas produire un clip. Allez-y d'abord, on va voir après. Ok, mal au marjou. Ok. Pour faire un cas de vie, on va faire un petit peu de temps. Comment que ma ina me cas de vie, on va coller une fois. On a bien le soir. Il y a bolé le tout. On va faire un coller, mais que le clé est une fois. On met ça, on sort. Il va envoyer Kungata. Il rêve. On envoie les gens en gata comme ça. J'ai checké. Depuis ma naissance, j'ai jamais fait de garde à vue. Hein. Donc, je voulais lui dire, je voulais lui produire les conseils que l'argent qu'il dépense dans les citations directes en France, en Suisse, ou bien c'est parce qu'il cherche le buzz. Parce qu'il y a aussi un côté que je ne comprends pas. Peut-être qu'il veut le buzz pour dire que il veut prendre le pouvoir du buzz sur Facebook. Il n'a pas le droit de porter plainte à quelqu'un. Je suis désolé de le dire. De lui annoncer qu'il n'a pas le droit de déposer plainte à quelqu'un sur les réseaux sociaux, à une quelconque influenceuse ou un quelconque influenceur. Mais Jean-Louis Masson n'a aucun droit. Ce droit-là lui a été enlevé. Il n'a pas le droit de porter plainte à quelqu'un. Puisqu'il se fait justice lui-même sur les réseaux. Il répond. Il insulte aux fesses. Il croit que parce qu'il masque les noms, il y a un direct que j'ai enregistré où il prononce Zoua. Il prononce bien mon nom. En dehors des voix que j'ai prises, que la voix, j'ai compris. Il y a un direct, il a fait 3 heures de temps en m'insultant. Il a prononcé mon nom dedans. Il s'adressait à moi. Il s'adressait à moi. Il n'a pas le droit de porter plainte à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Je suis désolé de le lui annoncer. Il va dépenser son petit argent pour rien. Et l'avocat ne peut. Le travail de l'avocat, c'est quoi? C'est te nourrir d'espoir. C'est te nourrir d'espoir. Le travail de l'avocat, c'est que tu payes. Il va te nourrir d'espoir. Le ramassis de papier qu'il a lu sur Facebook, apparemment, je n'ai pas écouté son direct. Hein. C'est chez Patricia Mel que je dis, mais vous parlez de quoi ici? C'est chez Patricia Mel. Après, j'ai appelé Patricia Mel, elle m'a expliqué, mais j'ai ri. Il dit, dans le pays de mon père, c'est au Cameroun. Au Cameroun, ici. On ne vous a pas dit que d'autres ont essayé. Ça n'a rien abouti. C'est parce qu'on ne publie pas tout sur les réseaux sociaux. Demandez à Mvoutou qu'elle ne m'a pas porté plainte. Je me suis présenté. Elle a fait des choses. Elle a connu le droit. Elle a fait des choses comme il faut. Dès que j'ai répondu, ça a été annulé là, 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 au bureau. Ça a été annulé là, là, là. Ça n'allait nulle part. Parce que j'ai apporté. On l'a conseillé. C'est ça le. Quand tu es un avocat, dis aussi à l'avocat ce que tu as fait. Il faut dire à l'avocat ce que tu as fait. Jean-Louis me sent, tu n'es pas tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Je répète, tu n'as pas le droit. Ce droit t'a été enlevé par toi-même. De porter plainte à qui que ce soit pour les histoires des réseaux sociaux. Ni la baronne, ni Nadège. Nadège aussi a gagné son. Elle avait le temps. Ni à Nadège, Mbappa. Ni à Compressor. Ni à Amel Kamer. Ni à qui que. Tu n'as pas le droit de porter plainte. C'est ce que le message que je suis venu te dire ce matin. Que tu vas aller saisir
Un initié, je ne sais pas quoi, comment vous faites machin là. On va te dire oui, vraiment, elle va te payer. Parce que c'est que le ramassis de choses que tu as lu là, c'est l'avocat qui t'a écrit ça. Hein. Ça n'a jamais été un jugement. C'est l'avocat qui t'a écrit ça pour que tu viennes faire le buzz sur Facebook à mon nom. C'est ton avocat qui t'a écrit ça. Ce que tu as lu là. On ne délibère pas une affaire, le premier procès. On renvoie. On renvoie peut-être 3-4 fois. Après, on tranche par défaut. Tu apprends la justice à qui? J'ai traîné Carole à Benafou. Où j'ai tapé fort. J'étais en Suisse. C'est mon avocat qui s'en occupait. Où c'était ma cause très grave parce que c'était une violation de domicile avec des vidéos à l'appui. Après, j'ai retiré ça. C'est mon même frère là, quand il était en fou. Qui est maintenant à Ekounou? Tu te lèves, qui a quel droit? Qui t'a donné le droit de porter des plaintes aux gens? Autant ce droit t'a été enlevé, Jean-Louis Messang. Ce droit t'a été enlevé. Qui t'a donné le droit de porter des plaintes aux gens? Tu es un clasheur. Tu sais ce qu'on appelle que la plainte peut se retourner contre toi. Si j'avais le temps vraiment que j'ai l'argent à jeter par les fenêtres, j'allais te coller. C'est toi qu'on allait saisir. C'est toi qu'on allait saisir. Tu as dit que j'ai tué Lambert. Tu as dit que j'ai volé un bébé. Tu sais, tu connais ce qu'on appelle diffamation? Je t'ai rendu la pièce de la monnaie sur Facebook parce que moi, je ne parle pas comme ça. Je ne suis pas là, c'est pour ça que je n'arrive pas à créer les faux profils. Pour aller voir les gens, je te tape sec sur mon mur, je te réponds. Tu portes plein de joie, ne se déplace pas. Va brûler au lac. Je ne me déplacerai pas sur quelqu'un qui m'a insulté sur Facebook. Je cherche quoi faire. Je préfère dormir dans ma clim, comme je dors là, je regarde la télé, que d'aller perdre mon temps, même une heure de temps, ou bien payer même 100 francs d'avocat pour ça. Tu es normal. Tu es normal dans ta tête. Jusqu'à ce que tu viennes créer le buzz sur les réseaux sociaux. Oh, je vais saisir. On va saisir. J'ai entendu dire que tu as dit que tu vas saisir quoi? Mes comptes. Tu vas saisir quoi? Pour que je te paye. Mais demande-moi. Comme tu n'as pas pu m'escroquer quand tu m'as nommé marraine de ton enfant. Tu veux maintenant escroquer, tu veux maintenant passer par. Ou bien tu vas attirer l'attention. Je ne serai plus jamais ton ami. Je ne te demanderai jamais pardon sur les réseaux sociaux. C'est que comme vous êtes les bipolaires pro max, tu finis d'insulter Lolo, tu viens t'asseoir, tu dis à Lolo que tu peux compter sur moi. Nadège et toi, vous finissez au tribunal. Après, on vous voit manger ensemble. C'est quel manque de personnalité ça? Hein? C'est quel manque de personnalité ça? Oh ma soeur Germaine, je te dis que les gens confondent tout ici dehors. Mais sans qu'ils aient l'air pour me porter plus au continent. Tu sais pourquoi je suis rentré au pays? Hein? Tu sais pourquoi j'ai décidé de rentrer au pays? Je t'ai montré ça. Ça, c'est le procureur général de Kounou. Voilà sa carte de visite. Voilà sa carte de visite. Tous ses numéros de téléphone privé, c'est là. WhatsApp. Hein? Il sait que j'ai la gueule. Il sait que j'ai la gueule. Il m'a dit, juste fais attention. C'est lui qui avait libéré le Lolo. Quand Raymond Tchenga avait... Qu'on devait... C'est lui. Mais ça ne me donne pas le droit de faire des problèmes aux personnes qui ne m'ont rien fait sur Facebook. Sur Facebook, tu m'insultes, je t'insulte. Ça, c'était avant même que je répondais. Tu te lèves, Kounia, Kounia, Kounia. Tu pas dit que tu... Est-ce qu'il a même dit qu'il avait fait la prison? Il dit qu'on m'a condamné au dommage et intérêt que je dois lui payer. Je dois lui verser. Ou c'est 3 millions. Plus 1 million de quoi. Plus 1 million de je sais pas quoi. Tout. Je comprends pas pourquoi sa tête devient grosse.
Parce qu'il a les chiffres là dans sa tête. Les chiffres là sont dans ta tête. Hein? Bonjour, Nala Brice. Jean-Louis Messang. Tu sais que moi je t'appelle pas par les sobriquets. C'est sur moi qui vais préparer sa retraite. Je sais. Je préfère prendre les 3 millions là. Je m'assois sur Facebook, je partage à mes enfants qui me suivent. Au diminu de Facebook. J'ai dit, bon, j'ai 3 millions ici. Envoyez-moi, je vous envoie les Orange Money. Que je te donne 1 franc. 1. J'ai dit, je préfère prendre les 3 millions là. J'ai dit, voilà 3 millions. Je partage aux gens sur les réseaux sociaux. Aux nécessiteux. Tu vas me payer 3 millions. Tu vas payer ceci. Et les gens viennent gober sur Facebook. Mais ça, j'ai dit que le droit de porter plainte à quelqu'un t'a été enlevé. Même pas un nègre, tu auras de moi. Finir de dépenser chez les huissiers de justice, chez les avocats, chez les frais de justice. Si tu es sage, arrête. Parce que tu vas dépenser pour rien. C'est moi qui te promets. J'ai déjà fait dépenser comme ça ici, toi. C'est moi qui te promets. J'ai déjà une là qui est partie me porter plainte, qui n'est pas influenceuse, mais elle agit beaucoup dans le noir, dans l'ombre. Parce qu'elle me provoque dans l'ombre, moi je viens répondre, c'est elle qui est partie me porter plainte. J'ai attendu la troisième convocation. Il fallait bien qu'elle dépense. Première convocation. Parce que pour soulever un usage, tu dois payer. Pour devenir délégué à la convocation, je ne suis pas parti. Deuxième convocation. J'attendais le troisième parce que je connais mes droits. Troisième, elle a dépêché, ou c'est un commissaire, ma chère prison, pour venir me faire décharger, signer 3 fois, pour qu'on dise, c'est là où je me suis déplacé. J'ai dit, bon, voilà, tu as déjà bien dépensé. Parce que les gens ne gagnent rien au Cameroun. Il faut vraiment que vous dépensiez. Sans rien recevoir en retour. Si tu attends que tu vas recevoir quelque chose en retour de moi, on me coupe la tête. Oh, mon agent tombe à EcoBank, donc je te donne toutes les informations. Mon agent de veuve tombe à EcoBank. Et à EcoBank, c'est ma fille. C'est ma fille qui est chef d'agence. Donc quand mon agent tombe, elle m'appelle d'abord que c'est là. On positionne ça demain ou vers 17h. C'est le Cameroun, le pôle Biya. C'est notre Cameroun. À nous tous. Nous qui avons décidé de venir vivre au Cameroun. Oui, ta belle famille, les Bassins aiment les problèmes. Mais quand tu aimes les problèmes, il faut être dans la vérité. Un clasheur comme ça ne peut pas se lever, aller porter plainte à même à une mouche sur Facebook. Je te dis que tu tapes son nom sur Google. Tu tapes son nom sur Google. Ces insultes, Jean-Louis Messang est en train d'insulter qui. Jean-Louis Messang est en train d'insulter qui. Si tu vas là, c'est grave. Tu peux avoir un homme comme ça, tu as honte. On te dit que c'est ton mari. Un homme doit être effacé. Les affaires, les palabres de Anne Binga et Anne Selin Wonga, les femmes des marchés, elles filent. Parce que tu as dit que c'est comme un marché, mon colo. Tu vas trouver le nom d'un homme là-bas. Un homme cherche quoi à répondre aux femmes sur Facebook? Envoie ta femme. Si elle sait s'exprimer. Hein? Donc, c'était pour vous dire que je n'étais pas au courant que j'ai été cité en direct. Moi, je n'étais pas au courant. Hein. Le 2. Si c'était le cas, je n'allais jamais me déplacer. Parce que je ne peux jamais me déplacer. Que me sang me porte plainte. Ça, mieux on vient me soulever ici avec les menottes. Je vous dis. Mieux on vient me soulever ici avec les menottes. Et pour venir me soulever ici avec les menottes. Et pour venir me soulever ici avec les menottes, il va falloir que je tue quelqu'un. Ou bien j'ai escroqué quelqu'un. Pour qu'on lance un mandat d'amener contre moi.
il va falloir qu'on prouve que j'ai tué quelqu'un au Cameroun. Parce qu'à l'heure là, aucun membre de ma famille, ni mes proches, ne pourra se lever parce que j'ai commis l'irréparable. Que j'ai volé l'argent des gens, ou bien j'ai tué quelqu'un au Cameroun. C'est ça qui peut me prévaloir un mandat. C'est ça qui peut faire que on me met la ville comme je voyage là, bientôt. Quand à l'aéroport j'arrive, on me dit que tu peux voyager parce que tu as un mandat d'amener, ou bien tu es recherché dans tout le territoire camerounais. Tu as coulé le sang. Mais pas sur les réseaux sociaux. Détrompez-vous. Et j'ai dit que je quitte ce monde de clash parce que ça ne m'apporte rien. C'est mon homme qui me l'a demandé. Et il fallait, j'ai demandé la permission pour que je vienne rétablir la vérité. Je n'aime pas qu'on vienne mentir sur mon nom alors que moi je suis là. Oh, depuis quand? Il y a une affaire qui passe. Première audience. On condamne déjà la personne. Jusqu'à... On donne le nom montant. C'est dans quel pays? C'est dans la justice qui est dans la grosse tête, mais ça. C'est sorti du droit de sa tête. Il m'a fait signer la situation directe là quand? Dans les rêves. C'est dans les rêves. Comment un papa peut allumer la caméra? Je comprends que ce monsieur est avide de reconnaître. Quand j'écoute, je suis allé écouter le direct de confession et dit merde. J'étais dans quoi comme ça? J'ai mangé avec ce monsieur? Quelqu'un qui peut empoisonner quelqu'un en riant? Il n'arrive même pas à assumer ses couilles qu'il est un homme? Toujours les coups bas par derrière pour venir se passer pour monsieur propre devant. Fais comme moi. Allume la caméra, tu dis Zoando, et pousse pas. Tu vas voir, je vais jamais te porter plainte. Parce que je m'en fous de toi. Tu ne m'intéresses pas. Ne prononce pas que Zoacocher. Je m'en fous éperdument de toi. Tu n'es rien. Je connais jusqu'où tu... Je connais je connais qui tu es moralement. Je connais qui tu es financièrement. Je connais qui tu es financièrement. Je connais tes limites. Un mot peut t'embaucher, il te paye, ta famille paye tout ton village. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Voilà. Si tu crois que parce que tu vas dire aux gens que tu m'as porté plainte, je vais venir te dire que pardon papa, pardonne-moi. Il faut qu'on arrête. Toi, hein, tu vas attendre mes pardons jusqu'à... Je ne suis pas le nadège, je ne suis pas qui te supplie. Je ne suis pas une poule mouillée. À bout de célibat, ça trois fois. Boulou, une femme boulou qui se sent. Demande à Germaine, elle est là. Elle a épousé un Bassa. Germaine, j'arrive pas à prononcer son nom. Mon beau frère Bassa. Un homme effacé, calme. Voilà ce qu'on appelle un époux. Voilà ce qu'on appelle un époux. Pas une poule mouillée comme toi, tu viens t'asseoir sur Facebook. Un homme qui insulte les femmes aux fesses, qui dit que tu as dit que je sens. J'ai dormi sur ton canapé. Je suis venu, j'ai toutes les directes là, hein. C'est là. Que je suis venu dormir sur le canapé, j'ai laissé les odeurs. Et c'est toi qui cours. Tu dis que tu vas porter quoi? N'importe quoi, franchement. Regarde où je dors dans les blabla au Cameroun. Dans la clim. Là, maintenant, j'ai allumé un ticket sans filtre. Je vais aller suivre mon émission au salon. Parce que mon téléphone, je ne sais même plus là où on met les filtres. Heureusement que Jesse Glabou a bien nettoyé ma peau. Donc, sur ce, c'était juste une petite mise au point. Qu'il n'y a jamais eu de condamnation.
je n'ai pas un franc à payer à Jean-Louis Messang, ni à son épouse. Je n'ai rien à leur donner. Bon, s'ils continuent avec la citation directe, ils ont l'argent à payer les avocats. Je préfère que les avocats gagnent cet argent. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose au Cameroun. Donc, s'ils peuvent gagner l'argent derrière mon dos, ça me fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un à qui on envoie les francs suisses par rapport à moi. En Europe, on convertit. Le franc suisse a beaucoup grimpé. Donc, si le monsieur qui suit les affaires, si la personne qui me porte plainte, je vais faire gagner l'argent à ses avocats. Propre! Et à la justice camerounaise. Et à la fin, on n'aura pas un franc quiconque. Sauf peut-être le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, sur ce, bonne journée à vous. Moi, je continue mon sommeil. Bisous. Il a quel agent? Un mendiant. Non. Tout son être, tout de lui est sorti. Allez suivre, quand vous suivez les voix qu'il envoie à compression, tu dis, merde. Monsieur, si. Un papa congossa, on peut faire le congossa comme ça. Que sur les femmes. Que sur les femmes. C'est comme ça qu'il est parti manger chez Nathalie Kwa. Nathalie Kwa qui gardait, qui protégeait sa fille sur les réseaux sociaux. Il a réussi à voir la photo de la fille d'Nathalie Kwa, m'envoyer, publier sur Facebook. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand je vous disais ça avant, vous croyez que je mentais? Que ce monsieur n'a pas, il mange avec toi, il te sabote en privé. Il te met le coup bas en privé, il peut même donner le poison quand tu viens te donner en privé. Faites attention, il n'est jamais propre. Et c'est la quantité de personnes qui peut te tuer. Il n'est jamais propre. Mais ça, je parle de ça ici. Quand Amélie était leur amie, nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes où aujourd'hui? Quand j'ai dénoncé ce monsieur ici là, quand je l'ai dénoncé ici, nous sommes où aujourd'hui? J'ai dit maintenant, Amélie, viens monter sur mon dos. Vous savez que ma bouche, la bouche de Madame Chopin, c'est une bouche autorisée. C'est une bouche qui a la crainte de Dieu. C'est pour ça que je ne donne pas des sobriquets aux gens. J'ai dit, Jean, lui, me sang. J'assume ce que je dis. Je ne donne pas des sobriquets aux gens parce que je n'ai pas peur de répéter ce que j'ai dit. Quand la personne me cherche, je te réponds. C'est tout. Oh, la team de vérité. Quand team de vérité, vous êtes toutes une bande d'hypocrites. J'ai enlevé l'argent, je ne m'appelle pas de mes amis avant-hier. Hein. Je l'ai enlevé dans ma liste d'amis. Une personne qui te traîne en justice, tu pars t'asseoir encore avec lui pour manger. Pour manger quoi? C'est quelle nourriture? C'est quelle amitié? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas de famille? Une personne qui t'a insulté, qui a insulté des parties intimes, un homme de surcroît, tu repars t'allier avec lui. C'est quoi ce manque de personnalité? Le bloc camerounais m'énerve. Surtout les vieilles personnes qui sont là-bas à la diaspora. C'est quoi? Moi, m'asseoir avec Chapuis, même quand on a fait la paix parce que la guerre était vite, je ne peux pas m'asseoir avec elle pour manger. Non. On a fait la paix virtuellement. C'est tout. Ça ne va pas pousser loin. Et moi, on n'a même jamais été en justice. Une personne qui te traîne en justice, tu peux encore. L'hypothèque qui te traîne en justice, c'est une personne qui veut ta mort. Tu ne peux plus être ami avec. Parce qu'il faut avoir déjà trop de temps pour rédiger une plainte, prendre un avocat, machin, de te déplacer et tout ça. Ça coûte l'argent. Tu as fait quelle habitude avec une personne qui t'a traîné devant les tribunaux? Hein? Je veux te dire la vérité, j'ai enlevé Nadège, je ne m'a pas de ma liste d'amis hier. Elle ne m'a rien fait, mais je la trouve qu'elle n'a pas de personnalité. Pour une bassa, je ne sais pas qu'elle est bassa. Elle n'a pas de personnalité. C'est une poule mouillée. C'est la nourriture de quoi?
tu vas aller manger à une personne qui t'a insulté aux fesses. Si ça n'a pas, ça n'a pas suffi, il t'a traîné, il t'a fait dépenser l'argent. Même un frère, tu as les petits-enfants, tu as la famille que tu peux nourrir avec. Tu peux encore t'asseoir avec. Vous avez même des hommes dans vos vies. Ou bien les familles qui ont honte de vous. C'est quelle paix tu peux faire avec mon sang? Nadège, je n'ai pas. C'est toujours la richesse de ta manière de visibilité comme ça. Une personne qui est allée devant le tribunal avec toi. Moi. Ils sont là à Kamba. Karola Bina. Mvoudou. Yaki. Yaki encore. Oro Angoula. Jamais de la vie. Pour moi, c'est à vie. Une personne qui est déjà en justice avec toi, c'est une personne à éviter. Faites la paix, même peut-être virtuellement. Vous allez même jusqu'à organiser les soirées, vous partez, vous asseoir ensemble. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est quoi? Waouh. Pardon. Bonne journée à vous. Bisous. C'était mon coup de gueule du matin. Et je vous dis bien que j'ai demandé la permission. On me l'a accordé. Voilà. Donc, je quitte là. Mais sans des citations directes et des condamnations qui sortent tout droit de ta tête. Si tu attends un franc de Madame Chopard, tu n'auras rien. Mieux tu gardes ton petit argent pour donner à ta famille à Bicoc ou c'est à Oub, chez les Bassins. Parce que chez moi, tu n'auras rien. Tu auras peut-être des étoiles quand tu fais le direct. Quand tu parles de mon nom, les gens vont te donner des étoiles. Mes ennemis virtuels vont venir te suivre parce que tu parles de mon nom, que tu as porté plainte à Chopard. Mais dans la, ça, c'est le virtuel. Et dans la réalité, tu n'auras pas un era. Voilà. Bonjour.